clap. Vas-y. Bon, on va vous parler du livre Trop tôt. C'est un livre qui a été écrit par Joe Vitek. Voilà. Mathis, ça vous raconte l'histoire. Donc c'est Marthe. Les personnages principaux sont Marthe, Pia et Nathan. Donc Pia et Marthe sont cousines. Nathan, c'est la personne que va rencontrer Pia. Donc elles sont dans un camping avec leurs parents. Et un soir, Pia et Marthe, elles décident d'aller en boîte de nuit. Et Pia, elle va rencontrer Nathan. Et la soirée va se finir sur la plage. Il va avoir un rapport sexuel non protégé et elle va tomber enceinte. Voilà. Et tout au long de l'histoire, ils vont nous parler. Enfin, Pia va surtout nous faire ressentir ses émotions et ses sentiments. Et voilà. On a aimé ce livre, surtout parce qu'il est vachement court. Non, pas du tout, on l'a pas aimé parce qu'il est court, mais parce que justement, l'histoire, ça pouvait être... c'est une histoire qui peut être réelle à tout moment, et aussi bah, parce que ça nous renseigne sur le sujet. Et du coup, ça nous fait réfléchir sur le sujet. Trop tôt, il y a eu un meurtre. Le suspect numéro 1 est Joe Vitek. Vers 21h30, Marthe et Pia se préparent pour aller en boîte. Première preuve, la joie. Que s'est-il passé? Deuxième preuve, le suspect. Pia a rencontré quelqu'un. La troisième preuve, l'angoisse. Ils ont eu des rapports. Sa vie va-t-elle changer avant la fin de l'été? Vous le saurez en lisant le livre. Au nord, il y aura beaucoup de poésie, quelques mots complexes de temps en temps, mais en général, le soleil sera de sortie. De l'humour dans l'ouest et même quelques éclaircies romantiques près de la lettre E. Dans le sud, près du haut, on pourra observer un anticyclone de tendresse ainsi que quelques références à des artistes connus. Pour terminer, nous vous informons que la complicité sera présente dans l'est. Merci à tous, c'était Sandy et Nelson en direct de Babel TV. Watch the stars when I'm gone. When I am gone. Nous allons vous présenter le livre 1414 qui a été écrit par Céline Egar et Paul Brown. Je laisse la parole à Franck. Paul, putain, est-ce que tu te fous de ma gueule? Non. Pourquoi tu dis mon prénom? La merde, on est anonyme. C'est pas grave. Bref, alors ce livre, bah, il parle de deux personnes qui vivent à 100 ans d'intervalle. Il y en a un qui est né en... Enfin, il y en a un qui vit en 1914 et l'autre en 2014. Alors du coup, en 1914, il y a la guerre qui est arrivée. Et ils s'appellent tous les deux Adrien. Un avec un H et l'autre avec un A. Et du coup, on se pose la question si son pote va le sauver de la guerre, va le prévenir pour qu'il parte, parce que la guerre, elle va arriver jusqu'en Picardie. Et même s'il est au courant de la guerre, quoi. Et on a choisi ce livre parce qu'il y a des actions importantes et que les personnages se battent pour ce qu'ils aiment et pour ses principes. Voilà. Ils se battent surtout à fond pour impressionner bah, la fille qu'ils aiment. Voilà. Nous les menteurs, interruption spéciale. Aujourd'hui, nouveau rebondissement dans une affaire d'héritage. Et on ne parle pas de Laetitia Hallyday. Vous les connaissez sûrement. Ou pas. Il s'agit des célèbres menteurs, la famille Sinclair. Ça tourne. Coupé. Ça reprend. Bon alors, on en était où? Depuis des années, la famille Sinclair se dispute l'héritage de leur père. Mais nous venons d'apprendre que l'héritage a flambé. Mais fallait pas ne pas le dire ça. J'en sais rien, c'est marqué sur la feuille, faut spoiler les gens. Envoyez la pub. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le livre U4, le tome Stéphane de Vincent Villeminot. Alors c'est l'histoire d'une épidémie de filovirus méningé U4 qui tue les enfants et les adultes. Et il épargne les adolescents de 15 à 18 ans. Ah, ça tue les adultes. Donc dans ce tome...
J'adore. Dans ce tome, il y a, c'est Stéphane, elle vit à Lyon, elle attend son père, il attend qu'il revienne de Paris. Et elle a reçu un message de son jeu préféré qui disait qu'il fallait qu'elle aille à Lyon, à Paris, pas à Lyon, pour aller sauver le monde, remonter le temps et aller sauver l'épidémie. Donc on a trouvé que ce livre était bien parce que l'histoire... J'étais mort. Parce que l'histoire faisait en sorte qu'on avait envie de prendre soin des personnages. L'histoire est bien construite et que les chapitres sont bien agencés. L'histoire des personnages sont attachantes. Donc, il y a quatre tomes dans, et chacun d'eux sont écrits par différentes personnes pour chaque tome. Continue. Mais t'es mort, il meurt comme ça, les gens, ils revivent pas. Par différentes personnes, pour chacun des personnages, nous espérons qu'il y aura un second tome pour Stéphane et les autres. Il y en a quatre de tomes, ils sont sortis, mais c'est pas mais grave. Mais oui, mais la suite oui, non, de mais Stéphane, Stéphane et de tout. J'adore, okay, tout tue aujourd'hui.